Si les gens pouvaient remettre leur micro muté, ça serait cool. Ouais. Ah oui, merde. Aeltas, on va te laisser commencer ton intervention, ça marche? Ou Johan, tu te débrouilles, tu me lis ce texte. Je suis d'accord. Ça suffit. Je crois qu'on a perdu Aeltas, non? On a reperdu Aeltas. Est-ce que tu es encore là ou pas? Il est là, mais on l'entend pas, il dit rien. Et moi, j'ai une proposition pour finir le week-end. En fait, ça fonctionne que dans les coulisses. C'est peut-être ça. Il faut qu'on vienne tous dans les coulisses. Ah, il est là. Ah, c'est bon. Attendez. Si, on t'entend. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Où est-ce que je dois aller? C'est bon. Bouge plus, reste là. Ne bouge plus, tu es bon. On t'entend. Si tu as envie de lire ton texte, tu peux y aller. Ok, super. Oui, on t'entend. Oui, j'ai envie de lire mon texte, c'est un problème technique. Donc, allez, c'est bon. Le texte que je vais vous lire ce soir, c'est un anniversaire. Et je pense que c'est très important pour tous les militants qui sont ce soir ici, parce que ça fait partie de notre histoire et de notre histoire ancienne, puisque c'est un texte qui s'appelle... mon intervention, elle s'appelle 2020, ou le bicentenaire d'un texte que Charles Fourier avait intitulé en 1820, donc c'est il y a 200 ans pile, « Détérioration matérielle de la planète ». Donc, on va lui souhaiter un bon anniversaire. Je vais vous raconter une histoire, en fait, l'histoire de l'élaboration de ce texte. Mais avant de vous raconter, en fait, les détails de cette histoire, je vais vous raconter un peu comment un passage de ce texte, parce qu'il fait 80 pages et c'est un texte posthume, mais vous l'aurez en PDF après mon intervention. Mais donc, l'idée, en fait, c'est... il faut imaginer, donc, Charles Fourier, donc c'est, juste avant qu'on appelle les réformateurs sociaux des socialistes, en fait, c'est-à-dire que ses disciples ont été appelés des socialistes, mais pas lui, et il passait beaucoup de temps dans les cabinets de lecture du Palais Royal, et dans le cabinet de... Ah, ou alors mon micro est mal configuré. Vous m'entendez pas ? J'entends. Vas-y, continue. Super. Et donc, il passait beaucoup de temps dans les cabinets de lecture du Palais Royal, et donc, il lisait beaucoup de journaux, et parmi les journaux, donc, il tombe sur un article d'un naturaliste qui s'appelle Alexander von Humboldt, et donc, il était aussi très, très lecteur de naturaliste. Et donc, dans l'article, Alexander von Humboldt donc, dit « Je retranscris un paragraphe extrait d'un journal où monsieur de Humboldt s'élève contre ce vice inséparable des cultures civilisées et barbares. » Donc c'est comme ça qu'il appelle l'Ancien Régime et la civilisation libérale après la Révolution. Donc là, c'est Alexander von Humboldt qui parle. Donc, en abattant les arbres qui couvrent les cimes et les flancs des montagnes, les hommes, sous tous les climats, préparent aux générations futures, donc c'est Alexander von Humboldt qui parle des générations futures, deux calamités, à la fois le manque de combustible et la disette d'eau, puisqu'il avait compris que le cycle de l'eau, en fait, était régulé par les arbres, et que quand on déboise les montagnes, on tarit les sources, puisqu'il n'y a plus la recaptation, en fait, de l'humidité dans l'atmosphère. Et le journaliste qui avait commenté l'article d'Alexander von Humboldt, il faisait un commentaire, il disait... voilà sans doute une autorité bien respectable et des leçons pleines de sagesse. Mais si l'on affecte un peu d'estime pour les savants, on les écoute peu. Et quoique le combustible soit fort cher, tant qu'on trouvera du bois au chantier, on rira des torrents et des diminutions des sources. Et un jour, on sera forcé de se rendre à l'évidence et on prendra des précautions tardives. Et comme le dit le peuple, on fermera la cage quand les oiseaux seront envolés. Et donc ça, c'est le journaliste qui commente Alexander von Humboldt. Et Charles Fourier, mais lui, ça l'énerve, parce que c'est un niveau de naïveté, en fait, qu'il ne peut pas accepter, parce qu'il pense autre chose, il s'énerve. Et donc, il fait un commentaire du commentaire de Alexander von Humboldt. Et donc, il s'énerve à la fois contre le journaliste et à la fois contre Alexander von Humboldt, en fait. Mais le critique a raison. Notre civilisation perfectible ne reconnaît ces sottises que lorsqu'elles sont irréparables et lorsque, selon les tableaux de M. Roche, le bois qui en 1750 coûtait 30 sous la corde en Lorraine coûte aujourd'hui 30 francs. Ces savants même, qui dissertent bien sur les torts de la civilisation, voudraient-ils me permettre de signaler les leurs et la bévue qu'ils commettent tous au sujet du remède? Si l'on rassemblait tous ces écrivains et administrateurs dont je viens de citer les doléances et qu'on leur proposa d'indiquer un remède au déboisement, tous opineraient pour le banal et illusoire secours des décrets, codes et voies répressives, qui ont du succès aujourd'hui et n'en ont pas demain. Les besoins d'un gouvernement,
la négligence d'une administration suffise pour paralyser les plus beaux décrets. En quel temps fut-on mieux convaincu du dommage causé par le déboisement et cependant, les autorités mêmes y coopèrent, à tort ou à raison. Dernièrement, on décréta en France une vente de 150 millions de forêts nationales. Beaucoup de députés se récriaient sur le fait qu'on allait aggraver le mal déjà si énorme. Le ministre des Finances trancha la difficulté en disant « il faut des fonds ». Eh, en quel temps ne faudra-t-il pas des fonds? L'administration civilisée ne marche guère à l'économie. Laissez les empires se reposer un peu, les guerres renaîtront. Pour quelques préséances d'ambassadeurs, quelques griefs de même force, et il faudra de plus belle des fonds, puisqu'il en faut déjà tant en pleine paix. Ce besoin d'argent qu'allègue un ministre, chaque particulier le répète, et chacun coupe sans mesure par ce que l'on veut, dit-on, faire de l'argent. Représenter à un propriétaire, à une commune, qu'ils vont effriter les hauteurs dont la terre est meublée, faire entraîner les terres par les vents et averses, ils vous regarderont en pitié en disant « Après nous le déluge, et tous les décrets possibles n'empêcheront pas que depuis le ministre jusqu'aux paysans, chacun ne s'accorde à dévaster les forêts tout en convenant qu'il faudrait les ménager. On ne peut pas même faire exécuter les semis ordonnés dans les lieux où l'effritement est le plus actif. Il n'est donc pas possible en civilisation de remédier à un mal inhérent à la civilisation. Vouloir que cette société opère le bien sur un mal déjà si énorme, c'est cette société opère le bien sur un mal. Vouloir que cette société opère le bien sur un mal quelconque, c'est vouloir que la ronce porte des roses. Les savants devraient donc enfin se rendre à l'expérience de la civilisation et chercher un système social qui n'est pas comme l'état civilisé et barbare, la propriété d'isoler, de faire discorder l'intérêt individuel de l'intérêt collectif et qui, au lieu de les faire mettre en opposition, les ferait au contraire coïncider dans tout le mécanisme social. Ce problème, qui semble si effrayant si l'on spécule sur les méthodes civilisées, serait déjà à moitié résolu dans la sixième période garantisme et pleinement résolu dans la septième ou association simple. Nous avons vu, par les témoignages unanimes sur les dommages du déboisement, que l'ordre civilisé et barbare est sur ce point le tableau fidèle du jeune homme qui perd sa santé et sa fortune. Mais le mal ne s'étend pas aux seules régions cultivées, car le bouleversement du climat d'une zone ou partie d'une zone influe plus ou moins sur les autres et par la suite sur le globe entier. C'est donc la plaine des temps masse qui est compromise et non pas quelques régions. Et donc, ce texte, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir dedans lui, en fait, c'est que c'est dans le contexte, c'est juste après les guerres napoléoniennes. Et donc, le moment où il dit, comment dire, le ministre des Finances, c'est en fait, quelqu'un qui dit que l'État il doit rembourser ses dettes, même si elles ont été contractées pendant les guerres. Et donc, il va déboiser en fait toutes les forêts de l'État. Il va les revendre à des propriétaires privés en fait, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, ils ont du mal à tenir compte en fait, de l'intérêt collectif parce que la civilisation les met en concurrence les uns avec les autres. Et c'est pour ça en fait, que Charles Fourier, en fait, dans détérioration matérielle de la planète, en fait, il fait une prédiction et c'est que la tendance en fait, du système économique et social qu'est l'industrialisme libéral, c'est-à-dire le système qui apparaît avec la Révolution française, a une tendance qui est de mettre en concurrence en fait, tous les acteurs en fait, individuels, c'est-à-dire qu'il n'y a de propriété de qu'individuel. Et la tendance en fait, de ce système-là, qui produit en fait, notamment par exemple l'obsolescence programmée ou alors la course à la production, et à l'industrialisme, en fait, elle va produire une énorme difficulté à prendre en compte l'intérêt collectif, comme le fait de reboiser les montagnes, ou alors le fait de faire des choses dans l'intérêt général, puisque quand vous êtes en concurrence avec d'autres individus, si vous prenez en compte l'intérêt collectif, ça devient un avantage compétitif en fait, pour vos concurrents, et donc, il y a une divergence d'intérêt entre l'intérêt individuel et collectif, de la même manière que dans un dilemme du prisonnier. Donc ça, la prédiction de Charles Fourier, en fait, c'est qu'il dit la civilisation, si elle perdure, elle ne tarde pas 300 ans avant qu'un pays se déchire. En fait. Et
c'est des choses en fait qui sont qui peuvent se comprendre en fait dans tout le contexte scientifique de l'époque. Et c'est pour ça que c'est important en fait de relire toutes ces personnes, mais que ce soit comment dire Charles Fourier, mais aussi les gens, les scientifiques de son époque comme Cadet de Vaux, que j'ai mis dans dans ma communication, mais aussi par exemple Alexander von Humboldt et Antoine François Roche, d'ailleurs, que dans ce texte Charles Fourier, il avait cité. Donc, avant de vous quitter, moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est joyeux anniversaire, Charles Fourier, puis, enfin, pour ce texte que tu as écrit, Charles Fourier, puis j'espère que on prendra les bonnes leçons, parce que pour lui, il est impossible de résoudre le problème de la surexploitation des ressources naturelles si on reste à l'intérieur du système d'institutions qu'est le libéralisme industrialiste. Et donc, pour pouvoir changer ça, il faut transformer les entreprises en associations professionnelles et comment dire, s'organiser à l'échelle de la commune sous forme d'associations, c'est-à-dire que on fait des habitats participatifs et on s'organise de manière non salariale, c'est-à-dire parce que le contrat salarié, en fait, c'est toujours un lien de subordination entre quelqu'un et quelqu'un, alors que c'est possible de s'organiser autrement, c'est plus difficile, ça implique des théories qu'on n'a pas encore développées, mais rien ne nous empêche de les développer et de résoudre ces problèmes-là. Et par contre, ce qui est important de voir, en fait, c'est que les montagnes de l'Ouest qu'il y a au Ghana, ou alors la déforestation de la forêt amazonienne, ou alors, comment dire, les épidémies, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont interdépendantes avec notre système social. Et on a toujours tendance à penser, en fait, la question du changement climatique sur la base, en fait, des énergies fossiles et du CO2, qu'on rejette les voitures dans l'atmosphère, mais l'intérêt, en fait, des travaux, des théories de Fourier, et aussi de tous les membres de l'école sociétaire, en fait, qui ont fait partie des premières personnes, du premier groupe politique, en fait, à avoir introduit la question écologique, en fait, dans la politique, même si ce n'est pas les premiers scientifiques, parce que comme Cadet de Vaux, 40 ans avant lui, il y a eu des environnementalistes avant Fourier. Fourier, pas scientifique. Fourier, c'est un penseur du social, en fait. Et l'intérêt de sa pensée pour aujourd'hui, même si tout ce qu'il a dit n'était pas forcément, et pas forcément toujours pertinent, en fait, c'est qu'il pense l'interaction et l'interdépendance entre le social et l'environnement. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais quel est le rapport entre la manière dont on habite nos maisons ou la manière dont on organise la concurrence et les entreprises et le climat. On peut se dire la concurrence, ça n'entraîne pas de rejet de CO2, donc ça n'a rien à voir avec la question environnementale. Et ben non, parce que tout est lié dans le système de la nature. Et donc, en conclusion, en fait, je vais citer donc les dernières lignes de détérioration matérielle de la planète qui sont extrêmement poignantes et c'est un cri extrêmement beau, je trouve, et que je veux partager avec vous. Voilà. Puisque les deux sociétés, civilisées et barbares, donc il dit la civilisée, c'est le nouveau régime, et la barbarie, c'est la féodalité. Puisque les deux sociétés, civilisées et barbares, ont la fâcheuse propriété de détériorer le matériel du sol et la climature, de compromettre par suite le globe entier qui en est lésé dans sa santé et sa fortune matérielle, puisque de cette lésion de la planète dépendent aussi la santé et la fortune de ses habitants, sachant enfin spéculer sur la restauration de l'une et de l'autre, et reconnaître que le système de nos savants, leur conséquence à vouloir introduire le bien dans l'état civilisé qui favorise en tout sens le progrès du mal, est un acte de démence, et qu'on ne doit s'attacher dès à présent qu'au moyen d'échapper à une société qui ne fournit pas même de garantie aux rois et aux grands, encore moins au peuple, et qui, au malheur social des humains, ajoute encore les calamités matérielles et la détérioration croissante du globe. Voilà. Et je vous invite, bien sûr, à lire, en fait, le texte de l'introduction, parce que j'ai mis des sources, et aussi, vous allez trouver un deuxième texte qui fait partie, en fait, des références, en fait, de Fourier. Voilà. Donc, si j'aimerais aussi avoir vos réactions, parce que ça fait aussi partie du petit plaisir à chaque fois que je lis ce texte. Pour ma part, en fait,
Aller voir les sources, moi, ça m'inspire pas beaucoup, mais j'aime bien écouter les gens et ensuite je fais mon Alors, avis. il y a les textes, il y a les deux textes. Et puis il y a aussi, comment dire, si vous n'aimez pas trop les textes scientifiques, il y a aussi un livre très drôle qui s'appelle Le Fou du Palais Royal, qu'on trouve sur la BNF et qui est une version romancée de ça. Oui, des questions éventuellement. Je serais très contente d'y répondre, même en privé. Vous n'avez qu'à m'ajouter sur Discord si vous voulez m'en parler un autre jour. Mais. Ouais, là, c'est ce que tu parles. Oui, je Ah. suis là. Oui, celui-là, la deuxième édition est plus jolie en plus. Merci à Eltas. Vous avez trouvé ça bien? Il y a des gens qui ont des réactions. Absolument très bien. D'accord. Bon, bah. Ouais, mais j'ai bien aimé le passage lorsque tu parles du foyer, de l'énergie qu'on consomme avec sa place dans la société, tout ça. Ça me parle beaucoup. Ça me fait méditer. Bah, c'est-à-dire que, il faut réfléchir. En fait, aujourd'hui, l'association domestique dont parle Fourier, il y a quelque chose qui existe aujourd'hui qui a exactement la même forme institutionnelle. En fait, c'est l'habitat participatif, c'est-à-dire plusieurs foyers qui s'associent. Et il y a quelque chose de magique, en fait, ces foyers qui l'avaient prédit, en fait, enfin, pas prédit, mais qui c'était une. Eh bien, c'est que quand on s'associe à plusieurs, en fait, c'est plus facile. D'agir collectivement et donc, par exemple, de faire des travaux d'intérêt général, comme le fait de faire des travaux de rénovation thermique, par exemple, alors d'avoir une centrale de production d'énergie, ou alors de faire ensemble les efforts qu'il faut pour le changement social. Et des choses aussi simples, en fait, que des colocations, ou si on a les moyens et le temps pour pouvoir réaliser des projets aussi ambitieux, en fait, des habitats participatifs, des écolieux, en fait, ce sont. La première étape, à mon avis, en fait, pour sortir de l'individualisme. Et je suis très content de voir, en fait, que statistiquement, en fait, les crises économiques et surtout celles qu'on est en train de vivre actuellement, sont en train, en fait, de donner la motivation nécessaire, en fait, aux gens pour pouvoir se lancer dans des projets utopiques comme ça qui sont Alors, toujours un peu. moi, pour moi, je partage tout à fait ton enthousiasme. Par contre, se réjouir de la misère sociale qui pousse, les gens à réfléchir. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Comment dire? C'est comment dire? Je pense que c'est. En fait, c'est comment dire? C'est une opportunité pendant laquelle la grande machine de mort qu'est l'industrialisme libéral est suffisamment faible pour qu'on puisse lui tirer une balle en argent dans la tête et lui mettre un pieu dans le cœur pour qu'elle ne se réveille jamais. Mais pour ça, il faut passer, il faut réussir à organiser l'association, et c'est un problème très compliqué qui peut pas être résolu juste par des, qui peut être résolu que de manière expérimentale, en fait. Et Mais cela a déjà été fait. non, alors là, je suis désolé, comment dire, personne n'a réussi à faire, comment dire, à réaliser l'association intégrale. Il y a des gens qui ont fait des coopératives très très abouties, qui arrivent à associer ménage et production, mais comment dire, ils ne sont pas au point où ils ont réussi à faire un module, en fait. Enfin, ça va me prendre beaucoup plus de temps d'expliquer tout ça. Mais si vous voulez, je peux vous passer des sources. Je sais, en fait, que même si, comment dire, Ouais, non, mais après, je il y a précise des. que moi, les sources, moi, c'est pas trop mon truc, c'est de connaître la vie des gens de vive voix, en fait. Et il me semble qu'il y a des gens qui sont partis dans la Non, mais Creuse tous ces gens sont. Oui. et qui ont créé des micro-sociétés, et ils y sont Oui, toujours, il faut. Non, mais ces gens-là. leur expérience est extrêmement importante. Leur expérience est extrêmement importante. Mais oui, mais c'est un début. Ça existe. Ça existe. Je suis d'accord avec toi. Il est 22 h, c'est-à-dire l'heure à laquelle c'était prévu de terminer. Et du coup, il faut conclure. Bah oui, mais on a raté la conclusion. Est-ce que ça va aux Oui, organisateurs si on arrête maintenant ou pas? bah, tu peux refaire les remerciements.
On peut refaire les remerciements. Allez. Oui, c'est à toi de clôturer. Merde, mais non, mais. Non, mais c'était très agréable de t'entendre dire autant de bonnes choses. Ouais, vas-y, Johan, c'était trop bien. Mais je tenais à dire que, Johan, la facilité que tu as eue à organiser ça, ou alors l'impression de facilité que tu me donnes, ouais, en fait, d'avoir organisé tout ça, ça m'impressionne. Vraiment. C'est essentiellement dû au fait que je n'ai pas fait grand-chose. Mais c'est... T'as juste dû exister pour que... Alors, Johan ? Oui, bah oui, bah on peut clôturer. On remet ça demain, place à l'after. Ouais, InVivo vient de lancer. Donc, après les conférences, après les remerciements et après la dernière intervention de Aelta sur Fourier, et bah, du coup, on va clôturer ces premières universités du canard réfractaire. Et on va donc une dernière fois remercier évidemment tous les intervenants, tous les participants. On va remercier Kélévision qui est là, incroyable, qui a fait un stream pendant très très longtemps, toute l'équipe technique qui a fait des prouesses incroyables, et bien sûr tous les organisateurs, que ce soit ceux qui sont occupés de l'accueil, que ce soit les modérateurs, ceux qui ont contacté plein de gens et qui ont fait énormément de réunions très très longues pendant des jours et des jours et des semaines. Merci à vous tous, c'était super chouette, et on se redit très vite pour de folles aventures avec le canard réfractaire et tout le mouvement social qu'il y a derrière. Bravo!